Final Fantasy est l'une des plus célèbres sagas du RPG japonais. Pourtant, en plus de 10 années de diffusion, un seul épisode avait été traité dans Retro & Magic, Final Fantasy VI, un titre certes extraordinaire qui méritait bien une émission pour lui tout seul. La série ayant fêté son 30e anniversaire l'année dernière, le temps est venu de retracer son histoire depuis ses humbles débuts sur Famicom jusqu'au blockbuster sorti sur la première PlayStation. Le Retro & Magic d'aujourd'hui reviendra plus spécifiquement sur les 5 premiers épisodes de Final Fantasy, ainsi que sur l'épisode développé pour le marché américain, Final Fantasy Mystic Quest. L'histoire est connue au point d'être presque devenue une légende. En 1986, la jeune société Square, fondée 3 ans plus tôt en tant que département jeux vidéo de la compagnie électrique Denyusha, fait sécession afin de devenir une entité indépendante. Mais l'aventure se révèle un gouffre financier, et à peine quelques mois plus tard, le dépôt de bilan semble inéluctable. Mais si Square doit mourir, autant qu'elle meurt avec panache. Le directeur créatif du studio, Sakaguchi Hironobu, inspiré par Dragon Quest d'Enix ainsi que par la série des Wizardry, propose à l'équipe, qui compte alors 8 personnes, de créer son propre jeu de rôle. Et puisqu'il doit s'agir du dernier jeu développé par Square, il baptise le projet Final Fantasy. Sakaguchi ne se doutait pas que Final Fantasy, avec plus de 400 000 exemplaires vendus à sa sortie en décembre 1987, allait non seulement sauver Square de la faillite, mais transformer la société en perdition en géant du jeu vidéo japonais. Assez basique du point de vue visuel, quoique pas aussi austère que le premier Dragon Quest, Final Fantasy mise tout sur un système de jeu solide. Le joueur commence par constituer son équipe de 4 guerriers de la lumière, en choisissant parmi 6 classes qui deviendront emblématiques de la série. Guerrier, voleur, ceinture noire, mage rouge, mage blanc ou mage noir. Il s'agira ensuite de parcourir la campagne et divers donjons en affrontant toutes sortes de monstres lors de batailles au tour par tour, afin de restaurer les 4 cristaux magiques qui préservent l'équilibre du monde. Mais avant de faire face aux 4 entités maléfiques responsables de la corruption des cristaux, les guerriers de la lumière devront d'abord régler son compte au chevalier noir Garland, qui a kidnappé la princesse Sarah. Le scénario concocté par Sakaguchi et Terada Kenji est simple mais sait surprendre le joueur avec quelques twists bien sentis. Le succès rencontré par Final Fantasy s'explique en grande partie par le talent des personnes impliquées dans sa création. Square fera appel à l'artiste Amano Yoshitaka pour définir l'identité visuelle du jeu, lui donnant immédiatement un style bien différent de Dragon Quest. Et impossible de ne pas mentionner les musiques de Uematsu Nobuo qui parviennent à transcender les capacités limitées de la NES pour transporter le joueur dans un univers magique. Le héros souvent oublié du développement de Final Fantasy, c'est le programmeur du jeu, Nassir Jebeli, qui codera l'intégralité du jeu en seulement 5 mois. Né en Iran avant d'immigrer aux États-Unis, Jebeli s'était fait connaître au début des années 80 pour ses jeux développés sur Apple II. Parti tenter sa chance au Japon, il sympathise avec Sakaguchi et rejoint les rangs de Square. C'est lui, que Sakaguchi n'hésitera pas à qualifier de génie, qui programmera les 3 premiers épisodes de la série ainsi que Secret of Mana quelques années plus tard. Le jeu mettra 3 ans à quitter les frontières de l'archipel, mais sortira finalement aux États-Unis en 1990. Suite au succès rencontré par Final Fantasy, une suite est rapidement mise en chantier. C'est l'occasion pour Square d'expérimenter de nouvelles idées de gameplay, notamment sous l'impulsion du designer Kawazu Akitoshi, fan de jeux de rôle sur table. L'un des plus grands changements se situe au niveau du système de progression des personnages. Plus de points d'expérience et de passage de niveau. Chaque caractéristique des héros augmente indépendamment selon l'usage qu'en fait le joueur. Le jeu incorpore également un système de dialogue plus poussé baptisé World Memory, qui permet aux joueurs de retenir certains mots-clés afin de pouvoir plus tard interroger les PNJ à leur sujet. Le jeu est difficile et les combats aléatoires sont particulièrement brutaux. Final Fantasy II met en scène 4 héros principaux, Furionir, Maria, Guy et Leonard. Après avoir été attaqué par les troupes du maléfique empire de Palamessia et laissé pour mort, Furionir, Maria et Guy sont recueillis par la princesse Hilda qui mène la rébellion contre l'empire. Mais qu'est devenu Leonard? Ce sera l'une des questions auxquelles le joueur devra répondre durant son aventure. Pour compenser son absence, d'autres personnages rejoindront l'équipe de manière temporaire à certains moments du jeu, comme Layla, la femme pirate, ou Minwoo, le mage blanc. Assez controversé en raison du caractère expérimental de son gameplay, Final Fantasy II sera néanmoins un grand succès commercial lors de sa sortie japonaise. C'est également le jeu qui introduira certains éléments devenus emblématiques de la série, comme les chocobos, ou la présence d'un personnage nommé Cid. Une version américaine était prévue, mais celle-ci ne verra finalement pas le jour. Final Fantasy fait son retour en 1990, toujours sur Famicom, avec un 3e épisode aux airs de retour aux sources.
On retrouve en effet le principe des quatre guerriers de la lumière choisis par les cristaux magiques pour restaurer l'équilibre du monde menacé par le sorcier Xande, serviteur d'une entité nommée le Nuage de Ténèbres. Final Fantasy III met également de côté les systèmes expérimentaux de son prédécesseur et renoue notamment avec le système de points d'expérience et de niveau que l'on trouvait dans le premier épisode. Ce qui ne veut pas dire que Final Fantasy III ne propose aucune innovation de gameplay. La principale est sans aucun doute le tout nouveau système de jobs, qui permet de changer les classes des personnages en cours d'aventure, à la manière du système des vocations du concurrent Dragon Quest. C'est également le premier Final Fantasy où il est possible d'invoquer diverses entités lors des batailles. L'année suivante, Final Fantasy fait son entrée sur Super Famicom. Ce quatrième épisode, l'un des plus appréciés de la série, est pour beaucoup le véritable acte de naissance de Final Fantasy. C'est en effet avec Final Fantasy IV que la série créée par Sakaguchi Hironobu trouvera vraiment sa voix, son style, en accordant notamment une place de premier plan à son histoire complexe et riche en rebondissements, mettant en scène des personnages tourmentés. Final Fantasy IV raconte en effet l'histoire de Cécile, un chevalier noir au service du royaume de Baron. Jusque-là loyal sujet du royaume, Cécile commence toutefois à questionner les agissements de son roi lorsque celui-ci lui ordonne de s'emparer par la force des cristaux élémentaires conservés par les nations voisines. Lorsque le roi manipule Cécile afin d'éliminer le peuple des invocateurs, le chevalier noir décide finalement de se rebeller. Il n'est plus possible dans Final Fantasy IV de choisir le job de ses personnages. Chaque membre de l'équipe a une classe et des capacités qui lui sont propres, dictées par son histoire personnelle. La grande innovation du jeu, c'est son système de combat baptisé Active Time Battle, qui brise la monotonie du tour par tour. Alors qu'auparavant, chaque personnage attendait bien sagement son tour, les combats se déroulent désormais en semi-temps réel, chacun agissant à intervalles réguliers dictés par son score d'initiative. Final Fantasy IV n'est pas une claque visuelle, mais fait bon usage des possibilités offertes par la 16 bits de Nintendo, avec notamment des graphismes très colorés. Le mode 7 de la Super Nintendo est également mis à contribution lors de l'utilisation des aéronefs, offrant une sensation de vol grisante. Mais ce sont surtout les somptueuses musiques de Uematsu Nobuo qui profitent des capacités accrues du nouveau hardware. Final Fantasy IV sortira également aux États-Unis, quelques mois après sa sortie japonaise. Les épisodes 2 et 3 sur Famicom n'ayant pas fait l'objet d'une traduction, il sera décidé de renommer ce quatrième épisode Final Fantasy II pour le territoire américain. Craignant que le jeu s'avère trop ardu pour des joueurs n'ayant connu que le tout premier Final Fantasy, Square décidera également de réduire la difficulté de la version américaine. C'est cette crainte que les jeux Final Fantasy soient trop compliqués pour le public occidental qui poussera Square à développer un épisode spin-off destiné spécifiquement au marché américain et ayant pour vocation d'être un point d'entrée idéal pour les jeunes joueurs découvrant le RPG japonais. Sorti en 1992 sous le titre Final Fantasy Mystic Quest, le jeu sortira également l'année suivante au Japon sous le titre Final Fantasy USA, puis en Europe sous le nom Mystic Quest Legend. Final Fantasy Mystic Quest est donc une sorte de version très simplifiée de Final Fantasy. Pas de combat aléatoire, les monstres sont visibles à l'écran. Quant à la carte du monde, impossible de l'explorer librement, le joueur ne pouvant que sauter de lieu en lieu. On ne contrôle par ailleurs que deux personnages, le personnage principal, jeune et fringant héros chargé de sauver les cristaux magiques, etc., et divers alliés que le joueur rencontrera au fur et à mesure de son aventure. Final Fantasy Mystic Quest semble bien simpliste par rapport au reste de la série, mais il faut garder en tête qu'il s'agit d'un épisode pour débutants. Le titre conserve un certain charme, avec notamment de jolies musiques signées Sasai Ryuji et Kawakami Yasuhiro, et quelques chouettes trouvailles visuelles comme les sprites des ennemis qui changent au fur et à mesure que ceux-ci reçoivent des dégâts. On appréciera également l'histoire pleine d'humour qui n'hésite pas à se moquer gentiment des poncifs de Final Fantasy. Le scénariste Fujioka Shihiro travaillera par la suite sur les RPG Mario et Luigi pour Nintendo. Tandis que Final Fantasy Mystic Quest sort aux États-Unis, les joueurs japonais découvrent quant à eux Final Fantasy V. Techniquement plus abouti que le quatrième épisode, FF5 est néanmoins une régression sur le plan scénaristique, avec une histoire qui recycle les thèmes des trois premiers épisodes. Le monde fut autrefois menacé par le sorcier Exgear, mais celui-ci fut scellé par les guerriers de l'aube grâce au pouvoir des cristaux élémentaires. 30 ans plus tard, une force maléfique cherche à détruire les cristaux, et une nouvelle génération de héros, menée par l'aventurier Bartz et la princesse Lena, va devoir faire face aux forces du mal. Ce scénario n'est en soi pas inintéressant, mais est loin d'être aussi passionnant que la quête de rédemption de Cécile, d'autant que les personnages de FF5 semblent assez creux en comparaison du Chevalier Noir.
Final Fantasy V se rattrape néanmoins sur le plan du gameplay avec le retour en force du système de jobs, offrant de nombreuses possibilités aux joueurs pour personnaliser son équipe. Le système d'Active Time Battle a également été affiné, et les jauges d'initiative sont désormais visibles à l'écran, permettant aux joueurs d'anticiper les actions des uns et des autres, rendant les combats plus stratégiques. Revers de la médaille, Final Fantasy V est considéré comme l'un des épisodes les plus difficiles de la saga, et cette grande difficulté le privera d'une sortie aux États-Unis. FF5 marque également l'arrivée au sein de l'équipe graphique d'un certain Nomura Tetsuya. D'abord chargé du design des monstres, Nomura deviendra le principal character designer de Final Fantasy à partir des épisodes PlayStation et créera plus tard la série des Kingdom Hearts. Les trois épisodes de Final Fantasy sur PlayStation seront justement le sujet du prochain Retro & Magic. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur Noco pour revoir l'épisode consacré au mythique Final Fantasy VI.